Karim et Nabil reprennent leur patrouille. C'est la fin de journée. L'heure de pointe dans la capitale, les policiers redoublent de vigilance. Sur le boulevard Sébastopol, au cœur de Paris, les policiers repèrent une voiture avec des plaques diplomatiques. À l'origine, l'immunité diplomatique a été créée pour protéger le personnel des ambassades en cas de conflit entre deux pays. Mais certains délinquants utilisent de fausses plaques pour transporter de la drogue ou des cigarettes de contrebande. Monsieur, bonjour. Vous allez vous mettre là pour un contrôle, vraiment. Karim et Nabil veulent s'assurer qu'il s'agit bien d'un vrai véhicule diplomatique. Mais le conducteur refuse le contrôle et repart aussitôt. Là, ici. Vous arrêtez là, monsieur. C'est un contrôle. Arrêtez-vous là. Mais encore une fois, le conducteur refuse d'obtempérer. Un comportement très suspect. Le conducteur semble bien décidé à ne pas obéir aux policiers. Stop. Karim bloque la circulation pour obliger le véhicule à s'arrêter. Monsieur, bonjour. Monsieur, s'il vous plaît, je parle au conducteur. Vous vous garez ici pour un contrôle. D'accord ? Pourquoi vous tapez sur votre véhicule? Parce que vous refusez de vous arrêter. On ne s'arrête pas. Mais de quel droit vous arrêtez pas, monsieur? Parce que c'est un véhicule cédé. Prouvez-moi que vous avez une immunité, monsieur, s'il vous plaît. Oui, vous nous voyez comme ça, la circulation, vous nous arrêtez comme si on était des vulgaires personnes. Non. Vous savez que toutes les personnes qui sont dans les véhicules en cédé, comme vous dites, n'ont pas forcément l'immunité diplomatique. Mais c'est ça qu'il faut nous demander, Le passager du véhicule est très agressif à l'égard des policiers qui ont pourtant tout à fait le droit de contrôler le véhicule. La situation s'envenime. Je n'ai pas terminé. Vous me lâchez là, hein. Vous ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. Je vous touche. Qu'est-ce que vous allez me faire? Attends, faites votre contrôle, monsieur. Pour qui? Karim est bousculé et ne parvient pas à terminer son contrôle. Je vais établir un rapport qui est transmis au ministère des Affaires étrangères. Okay. D'accord. Sans problème. Sur ce comportement inadmissible. Pourquoi? Arrêtez de nous filmer. Notre caméra est également prise à partie. Après vérification, la plaque diplomatique est valable. Malgré le comportement des individus, les policiers sont dans l'obligation de les laisser repartir.